The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le vendredi 27 février 2015, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu son jugement confirmant à la majorité la décision de la Chambre de première instance 2 du 18 décembre 2012 acquittant Mathieu Ngudjolo Tchoui de charges de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Les juges Ekaterina Trendafilova et Kuno Tarfusser ont adopté une opinion dissidente conjointe et constaté que la Chambre d'appel aurait dû modifier ou annuler la décision de la Chambre de première instance et ordonner un nouveau procès devant une Chambre de première instance différente. Mathieu Ngudjolo Tchoui, ancien dirigeant présumé du Front des nationalistes et intégrationnistes, a été acquitté le 18 décembre 2012 de 3 chefs de crimes contre l'humanité et 7 chefs de crimes de guerre, prétendument commis le 24 février 2003 lors de l'attaque contre le village de Bogoro dans le contexte du conflit en Ituri, en République démocratique du Congo. Le 21 décembre 2012, Mathieu Ngudjolo Tchoui a été mis en liberté. Madame la juge Sanji Masenono Monageng, juge présidente dans cet appel, a lu en audience publique un résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel. La juge Monageng a expliqué que la Chambre a examiné les 3 motifs d'appel soulevés par le procureur contre la décision d'acquittement et que la majorité des juges de la Chambre d'appel, qui comprenaient le juge Sang Yun Song, le juge Erki Kurula et elle-même, a rejeté l'appel du procureur et confirmé l'acquittement de M. Ngudjolo Tchoui.